Henry, she tried to Henry. Boy in London, we in London, mate. Salut à tous, c'est Emile et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mon masque part en freestyle. Je sais, il a pris cher pendant le vol. Donc, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis actuellement, comme vous pouvez voir dans les décors derrière, je pense que ça se voit. Nous sommes à Londres et je voulais vous faire cette petite vidéo pour cette année 2019 qui est juste magnifique. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé, que tous vos rêves s'accomplissent pour 2019 et que tous vos souhaits, votre joie, que vous kiffez bien 2019. En tout cas, moi j'ai bien kiffé cette année 2018. Aujourd'hui, je suis en direct de Londres, donc je remercie Playfulbet d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est grâce à eux que je peux faire cette magnifique vidéo, ce petit vlog. Voilà, ça a un peu mal tourné, on va dire. Je suis tombé malade, j'ai vomi dans l'avion, on peut dire, je suis faible. J'ai vomi dans l'avion et j'ai vomi également à la sortie de l'avion. Puis après, j'ai vomi toute la journée. Le premier jour, j'ai pas trop filmé parce que je me sentais pas bien, j'avais la nausée toute la journée. Il y a un peu le soir, ça s'est un peu calmé. Mais voilà, en tout cas, je suis guéri. Donc voilà, merci à Playfulbet. Je vous fais une présentation donc pour ceux qui savent ce que c'est Playfulbet. Eden Lassel vous l'ont déjà présenté. Et franchement, c'est vraiment sympa. Je vous invite vraiment à vous inscrire sur ce site parce que vous avez la possibilité, franchement, de gagner pas mal de choses. C'est gratuit. Et voilà, il y a plein de cadeaux. Sachez qu'il y a plein de cadeaux qui sont distribués tous les mois. Donc voilà, merci Playfulbet. Je vous fais une présentation et ensuite on se retrouvera pour le vlog de Londres. Donc voilà, c'est parti et bonne vidéo. Alors comme je vous ai dit, cette vidéo est en partenariat avec Playfulbet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site sur lequel vous pouvez parier sur des événements sportifs, sauf que tout ça gratuitement et vous pouvez gagner des vrais cadeaux. Donc franchement, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est vraiment gratuit. Alors pour parier, comme je vous ai dit, c'est gratuit et c'est vraiment simple. Vous allez pouvoir parier vos coins. Donc vos coins, c'est de l'argent en gros, la monnaie virtuelle en fait. Et une fois que vous aurez accumulé un maximum de coins, vous pourrez du coup acheter pas mal de cadeaux. Donc voilà, on a une petite manette, la protection fan de Fortnite, on a des V-Bucks, on a des trucs Minecraft, des points Minecraft, on a des points FIFA, on a pas mal de choses et tout ça c'est gratuit. Sachez qu'il y a plus de 1000 cadeaux qui sont gagnés chaque mois, donc c'est vraiment bien. Je vous invite vraiment à vous inscrire, franchement. C'est un bon truc. Ne vous inquiétez pas aussi si vous manquez de coins, jamais vous dites ouais, j'ai plus de coins, comment je fais? Et bien sachez que vous serez rechargé automatiquement au bout de quelques heures, donc n'ayez pas peur, franchement. Vous pouvez jouer et essayer de gagner. De toute façon, au bout de quelques heures, vous récupérez des coins, tout ça gratuitement. Voilà. Donc là, vous vous dites ok, Edwin, mais comment on parie? Comment on fait? Donc c'est vraiment très très simple. Donc vous allez parier sur les matchs que vous souhaitez. Donc là, par exemple, moi, je vais aller dans populaire, donc voilà, je vais regarder un peu ce qu'il y a de populaire en ce moment, les matchs qui sont joués par un peu tout le monde, donc voilà, franchement, il y a pas mal de joueurs qui jouent. Donc là, par exemple, Villarreal, Real Madrid, c'est un match qui est pas mal. Manchester City, Liverpool, vraiment pas mal aussi. Je vais miser sur Manchester City, Liverpool, qui est un bon match, donc voilà, à 20h. Donc, alors, à 21h, pardon. Donc, alors, c'est simple, Manchester City, Liverpool, je vois bien une victoire de Liverpool, donc c'est simple. Donc vous allez gagner 2,84 fois votre mise. Donc là par exemple, je mise Liverpool, hop. Alors, je vais miser tous mes coins, 4200 coins sur Liverpool. Donc si vous gagnez, vous obtiendrez donc plus 7727, donc, ce qui vous fera à peu près 11 000 et quelques coins. Donc c'est vraiment pas mal. On fait ça, hop, on joue. Et voilà, donc vous êtes passé au niveau 4, merci. Donc voilà, j'ai misé sur Liverpool, donc en tout, je gagne 7727 coins, donc c'est vraiment pas mal. Liverpool, il y a pas mal de joueurs qui ont passé, donc il y a 65% qui ont visé pour Liverpool, après il y en a, ils ont 20% pour City, match nul 14%. Moi, je vois bien Liverpool, franchement. Donc sachez que vous pouvez aussi gagner des coins plus facilement avec d'autres moyens qu'en pariant. Donc là, par exemple, vous allez dans la rubrique promotion, et donc là, gagner des coins. Donc comment? C'est simple. Donc par exemple, si vous jouez à ce petit jeu et vous jouez un petit peu tranquillement, eh bien vous avez la possibilité de gagner 20 900 coins. Donc là par exemple avec le jeu Fiesta, donc voilà, vous connectez, vous jouez un petit peu et au bout de quelques minutes, vous gagnez du coup 2 900 coins. Donc voilà. Après, avec ces coins, vous pouvez gagner des cadeaux. Vous pouvez également suivre Playfulbet sur les réseaux sociaux et vous gagnez des coins. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses, donc vous pouvez aussi gagner parrainer vos amis, donc par exemple vous partagez à vos amis, eh bien vous avez gagné des coins, donc il y a pas mal de choses pour gagner des coins, et franchement c'est pas mal. Autre petite astuce aussi pour gagner des coins, donc vous avez les gars les petits tickets, donc je vais vous montrer à quoi ça sert les petits tickets, et c'est vraiment simple, et franchement c'est une bonne affaire, donc en essayant des jeux, donc là par exemple vous allez essayer le jeu Fort Empire, vous allez gagner des coins, donc vraiment pas mal de coins et aussi des cadeaux directs, donc des vrais cadeaux, là vous gagnez des coins plus vous gagnez des cadeaux, donc là par exemple
Avec le petit ticket là, vous gagnez donc soit des écouteurs, soit une petite montre, soit un petit jeu random donc sur Steam ou des joysticks pour votre mobile. Donc voilà. Et franchement, c'est un moyen aussi simple de gagner des cadeaux, c'est rapide et voilà, c'est des prix directs aussi en plus. Donc pour tester des jeux, voilà, juste à tester des jeux et vous gagnez des coins et bon, ensuite vous pourrez, bah, je sais pas pourquoi pas prendre des V-Bucks, etc., etc. Alors sachez également que les gars, Playfulbet est disponible sur mobile parce que bon, c'est tout ce qu'on utilise tous nos mobiles en 2019. Je pense que voilà, tout le monde a un téléphone. Et donc, vous pouvez aussi télécharger l'application sur Google Play et sur l'Apple Store. Donc, vous avez le lien dans la description, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, les gars. Si vous préférez mobile, vous pouvez également l'avoir sur le web, si vous préférez le web. Et sachez que si vous téléchargez l'application, vous avez déjà, hop, bam, 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 gratuit comme ça. Hop, je vous donne 10 000 points. 10 000 coins gratuits. Mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Bien évidemment, grâce à mon petit code Unwin. Voilà, mon petit code Unwin ici qu'on inscrit juste ici. Vous faites valider. Et bam, vous avez 10 000 points. Donc, je viens de gagner 10 000 coins. Donc, code valide plus 10 000 coins avec le coupon Unwin. Donc, voilà, les gars, je viens d'avoir 10 000 tranquillement, juste avec mon petit coupon. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'application. Le lien du site se trouve également dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec ce magnifique blog. Et moi, je vous dis au bye, au bye. London. Vous êtes arrivé, du coup. Et surtout, il a l'air bien chargé, dis donc. Waouh, je me sens très très mal, honnêtement. Pourtant, tu sais, j'ai pas mal de trucs. Je suis malade. Nous sommes actuellement devant chez la reine Elisaza, comme on l'appelle, Elisabeth. C'est juste magnifique. Tu peux montrer, il y a des. Vous savez, les. Comment ils appellent? Les gardes royales. Ils sont comme ça. Il fait ça. C'est magnifique, donc voilà. On visite, franchement, il y a du monde, c'est peuplé. Il y a beaucoup de Français à Londres, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Espagnols aussi, j'ai remarqué. Je vais juste montrer. Ah, il bouge plus, comme par hasard. Pendant la caméra, il bouge. Normalement, il bouge, il fait des allers-retours. Mon masque part en freestyle, il s'est cassé, voilà. Donc les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, ici on est à Chinatown, Chinatown mon pote. C'est le quartier des Chinois en fait de Londres, il s'appelle Chinatown. C'est juste magnifique, regardez les décorations, c'est magnifique. Et donc juste après ça les gars, j'ai une petite surprise pour vous. Je pense que vous allez kiffer, c'est une bonne surprise, c'est pour les grands fans. Voilà, je vous spoil pas, je vous laisse après. En tout cas, je sens que vous allez kiffer, c'est une petite surprise. On est passé juste à côté avec le Uber, et du coup je suis là pour que je filme ça, absolument. Et regardez mon casque. Un pouce bleu égale un nouveau masque. Bon, du coup, chose promue, chose dit. Chose promue, chose dit. Donc là, je suis actuellement devant quelque chose. Là, déjà, je vous montre un peu derrière. S'il y en a qui ont déjà été à Londres et ils reconnaissent, attention, 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 attention pour les fans, pour les fans. Et oui, nous sommes bien chez Harry. Théâtre en fait, donc pour ceux qui. En gros, là c'est le dernier Harry Potter, vous voyez, avec le petit enfant. Part 1 and 2, donc on peut aller le voir. Waouh, wow, c'est magnifique. Là-bas c'est Chinatown, là où on était tout à l'heure. Nous sommes bien chez Harry. Regardez-moi cette mer. C'est un monstre. C'est un monstre. Le prix du véhicule est à quand même à plus de 100 000. Et j'étais jamais monté dans une classe C. Et c'est juste magnifique. Regardez les LED et derrière le confort, il est incroyable. Regardez les pieds. C'est magnifique. Bon bah les gars, nous sommes actuellement à Oxford Street. Pour ceux qui connaissent un peu Londres. Street de la Street. C'est là où il y a. En fait, c'est une grande rue de magasins. C'est un peu comme les Champs-Élysées quoi, non? Enfin, comme ça, ouais. Ouais, en 15 fois plus grand quoi. En 15 fois plus grand quoi, largement. On a actuellement le 31. Ce soir, c'est le feu d'artifice. Et puis voilà, bah, je vais vous filmer tout ça, bien évidemment. Et voilà, on remercie encore Playfulbet. Yo les babouins, on est actuellement encore une fois à Oxford Street. Je voulais vous montrer cette magnifique rue. C'est une intersection en fait, ça fait penser, je sais pas si vous avez déjà vu les trucs, vous voyez un peu à. Comment ça s'appelle? En Chine, c'est magnifique. En fait, il y a tout le monde qui est arrêté et la voiture elle passe, après c'est les gens qui passent. Voilà. Ok guys, so now we are in McDonald's. Look this McDonald's, it's so beautiful. Yeah, yes, I can talk English. Hein. I can talk English. Yeah, bon, ça n'a rien à voir avec les McDo de France, hein. C'est magnifique. Regardez, c'est bon, on continue cette magnifique route et voilà. Donc voilà, on est actuellement au Millennium Bridge, pardon. Et le feu d'artifice, bah, c'est dans longtemps. Et je peux vous dire qu'il y a du monde, donc pour se trouver une place,
c'est quasi impossible. Là vous voyez, regardez. Hop. C'est partout, c'est blindé. On est là, il reste actuellement moins de 30 secondes. Ça va arriver là. Le fireworks, il arrive tout droit d'ici. Montre le timeout. Le timeout. Pour 2019, j'ai trouvé de grosses résolutions, c'est d'être plus non classé, voilà, je ne serai plus nul. Et je finirai les parcours devant la salle, voilà. Toute la salle, fais gaffe. Bye bye. What is your resolution for this year? Stay swag. Stay swag, stay strong. Yeah, man. Yeah. It's so, yes, you are so swag, yes. Yeah. Where are you from? Malaysia. We are from Malaysia. Russia? Malaysia. Where is it? China. Is it Chinese? No, it's Malaysia in Southeast Asia. Je connais pas, frère. I don't connais. Je ne connais pas. Okay, guys. Happy New Year. Nice to meet you. Bye. Donc là, on est. Regardez à quoi derrière moi. London Bridge. Le London Bridge qui est juste magnifique. C'est trop beau. Là-bas, on a la grande tour aussi, je sais pas comment elle s'appelle celle-ci. En tout cas, c'est magnifique. Et les feux d'artifice étaient tout là-bas au fond. La circulation a repris. C'est magnifique, regardez le London Bridge. Hey, yo, man. Tell me your channel, what's your channel? My channel is Henwin. Henwin, subscribe to Henwin. Yeah, boy, in London, we in London. Yeah, yeah. Jules. Yes, I know Jules. Oh, God. Il est français. Il est français. Et toi? Ouais, oui, je suis français. Bonsoir. On est actuellement. Bonjour. Ah, hello. Il y a des signes. Donc, je vais vous montrer ce magnifique balcon qu'on a eu. Voilà, qui est juste magnifique. Et donc là, actuellement, j'ai une voix de merde parce que c'est le matin et c'est le troisième jour et nous rentrons. Du coup voilà, je voulais vous montrer un peu, voilà, magnifique. Retour en France actuellement. Voilà, l'avion est là. Et merci. Direction l'avion. Ça, tout le monde connaît ce grand tunnel. Juste magnifique. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce vlog, en tout cas j'essaie de vous montrer un maximum de choses, comme je l'ai dit j'étais malade le premier jour, merci encore une fois PlayfulBet, n'oubliez pas de télécharger l'application juste en bas, voilà, lien dans la description, merci à tous et bonne année 2019.